Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, ça c'est plus compliqué pour moi, cette partie là. Pour les ceux qui ont des difficultés, le plus aisé est de descendre au fond et de marcher jusqu'à la fin pour prendre un portail d'envoûteur. Mais il n'y a pas d'envoûteur, c'est ça le problème. Donc va falloir le faire à la dure. Et ensuite cette truc. Je suis tombé. Je sais pas si elle est tombée, j'ai vu Rico qui est tombé. On peut repartir par là. Ah, il n'y a pas les tombé ailes. Aussi. J'ai remarqué qu'on n'a pas les ailes. Aïe merde, vous êtes où? Ok. Et ensuite on va où là? D'accord, ok. Ah mais vous, vous êtes en haut, moi je suis tout en bas, alors là il y a un problème. C'est pour ça que c'est un puzzle jump. Je peux pas, non. Y'a pas une rampe? Je sais même pas où. Ah oh, d'accord, on va là, ok. T'es sûr que c'est là? Moi, ouais, c'est ce que j'allais dire, j'irai là où va... Ah merde! J'ai suivi et... J'ai suivi Rico et il fallait pas. Ah, et faut aller où? En même temps. Faut aller où? Ah putain! Justement, je sais pas. Je remonte, c'est bon. Rico, tu m'as suivi ou pas? Reviens en arrière. Non. Saute là-dessus. C'est le dernier truc en plus. La planche à droite. Là, oui, c'est la dernière du truc. Et ah putain, c'est pas vrai, j'arrête pas de tomber comme une merde quoi. C'est la faute des scripts. Non, c'est que vous êtes des humains ou des normes. Et on a combien de temps pour le réussir celui-là? Ah bah c'est le plus rapidement possible parce qu'on a 20 minutes en tout. Pour faire le total. D'accord. Donc en fait, si vous... Ah, ça glisse. Oh non, j'ai fait une esquive. Quel idiot, j'ai fait une esquive. Oh putain, tout a recommencé. Bah t'as voulu esquiver quelque chose, en tout cas, certainement. Non, en fait, c'est là. Eh les mecs, les trois premiers, c'est les trois Asura. Je veux pas dire, mais les trois Asura. J'y ai fait. En fait, j'ai fait deux fois en arrière, comme un con. Et deux fois, tu fais des esquives. Ah, c'est là. Là, je vais arriver. Oh, j'ai failli rater. Yes! Il faut que j'appuie le bouton, c'est ça? Non, attends que tout le monde soit là. Ah, putain, je suis mort, hein, en plus. Tu peux te raise ou pas? Ouais, non, tu dois pouvoir... partir d'un point de contrôle. Ouais. Et il propose où, vas-y, pour voir où il t'emmène? Oh bah juste avant. Je sais que la mission de Guise là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a commencé la mission course? Non, c'est bah, moi j'ai... Il m'a mis sur vous, très bien. Voilà, comme ça va zapper. Le mec il nous met la pression. Bien joué Rico, bien joué. Hein? Hop là. On est tous là? 1, 2, 3, 4, 5... 6. Et là faut aller où là? Alors il y a 6 socles, donc faut se mettre chacun devant un socle si j'ai bien compris. Ben, ça t'as dû, parce que moi j'ai... Il y a un bouton qui va tout activer et ensuite faut se mettre chacun devant un socle. Et alors?
Alors, je clique pas sur le bouton. C'est quoi les socles? Le bouton près d'entrée pour démarrer cette phase. Vérifiez ah oui, il y a des animaux au milieu, t'as vu? Un cochon. Cette salle est un mini-jeu situé dans un ascenseur. Tout autour de la salle, vous trouverez 6 icônes d'animaux situées au-dessus des 6 icônes. Ah, il faut les mettre sur les bonnes. Ok, d'accord. Allez, vas-y, balance. On voit. Vous trouvez des icônes correspondantes. Pour être transformé en... Non, il faut être transformé en l'animal approprié, puis vous rendre dans chaque alcôve. Ah, alcôve, tu veux dire, parce que les alcôves, c'est... L'alcôve sera signée par une barre bleue. Vas-y, on voit, on voit. Alcôve en moins de 45 secondes et le réussir 3 fois de suite. Et où est-ce qu'il y a des trucs pour se transformer là? Là au milieu, c'est ça en fait. Je fais l'araignée par exemple moi. J'ai fait l'araignée. Ah tu l'as faite, pardon. Qu'est-ce qui était déjà en araignée? Personne, c'est bon, je suis seul en araignée. Et tu fais comment pour activer? Pour te transformer? Tu au milieu t'as les pylônes, t'as un dessin. Ah. Où est-ce que vous les voyez? Ah putain, ça y est, c'est au-dessus. Ok, je voyais pas, je levais pas la caméra. C'est bon, je vois l'araignée, moi, j'y vais. J'y suis. C'est, de toute façon, c'est mort, là. Recalibrage, on a arrêté. Bon. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il faut... Il faut cliquer où, d'abord? Alors. Top. Ok. Bon bah moi je me mets devant le mec qui a la masse. En fait vous choisissez tous un truc et puis après vous on choisit la bonne alcôve, c'est tout. Hein. C'est ça. Moi, je comment tu choisis l'alcôve? Moi je prends le mec. Bah, là tu choisis ton animal au milieu. Lève la caméra. Oui, Fred, regarde en l'air. Ouais. Pour l'instant c'est vide, t'as vu il y a une espèce de losange avec des trucs où il y a rien. Ah, et c'est tout qu'on aura commencé le milieu. Là tu choisis un animal. Ok. C'est bon. Vous savez quoi? On va prendre trois fois le même. Moi je prends le gros truc avec la masse là. Allez. Je prends toujours l'araignée moi. Bon bah, allez, go, vas-y, lance. C'est parti, Besta. Ah, il y a l'harpie, ici, l'harpie. Ah bah, je prends l'harpie. Bah, je fais l'araignée, si, il y a une araignée. Ça y est, il faut faire 3 fois de suite, c'est ça? Putain, il n'y a pas d'araignée, en fait, cette fois-ci. Ah ici, ouais, mais non, c'est symbole. Pas ça, il faut d'abord regarder un symbole, ouais. Et après aller le chercher. Ok. Donc, moi, mon symbole, il n'y a pas. Ça, oh, c'est, la loose. Le... c'est pour ça que c'est dur. Moi il va commencer. C'est bon, j'en ai trouvé un. Voilà. Le SOS fantôme. Quelqu'un a pris le fantôme j'ai ou pas pris le fantôme, mais de toute façon, c'est il trop tard. Le moa. Il n'y a plus qu'un. Moi j'ai fait le moa, je l'ai fait. Raté. Ok, mais on a compris. Bon, c'est on déjà relance ça. Et puis. Alors donc on fait l'inverse, on regarde ce qu'il y a. Ah bah chacun oui. Prend une alcôve et on regarde ce qu'il y a au-dessus, on va le chercher. Ouais. Hein bon bah comme vous voulez. Moi je prends celle-là d'alcôve. Ah bah oui, puisque il faut puisqu'il y a plus d'animaux au milieu que d'alcôve, on regarde l'alcôve. Voilà. Mais chacun devant une alcôve et après chacun prendre une alcôve et je prends celle qui est vide. Parce que je vais. Ah bah non, c'est Fred. Fred, c'est toi qui va activer le bouton, t'es le plus proche. Ok. Je prends l'alcôve qui est vide, qui est là. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, go! Parti! Araignée! Ok, moi j'ai le pigeon voyageur. Le chat. Araignée. Putain, c'est pas le bon! Sa race! C'est celle-là. C'est bon. Vous avez le temps, okay, il y a largement le temps. C'est bon pour moi. Il reste une araignée. Mais non, araignée, ouais, je l'ai faite. Ouais, c'est moi. Mais... Ah, il y a deux araignées en plus, tu vois. Vite. Bah, en X5, on peut pas en 10, faire 6. 9, putain, mais 6. Pourquoi je peux pas la prendre, la mienne? Ah. Il faut en faire 3 fois. Hein. Attention, c'est reparti. Ah, ok, c'est reparti, cochon. Ça va, ah, il est là. Ah, araignée, ouais. Putain, je l'avais en plus. Hop. C'est bon pour moi. Ça y est, j'ai fait aussi. En 4 secondes. Putain, pourquoi je peux pas me transformer? Oui. 3 sur 6. Faut interagir. Attends, moi j'arrive pas à me transformer, là c'est un peu... 15 secondes, ça. Recule, avance, interagis le truc. Je vais sur le cochon. Ah non, le cochon est déjà fait? Ouais, non, vas-y. Oui, déjà fait, oui. Oh putain. C'est foutu. 4, 3. Et on recommence.
Alors, le moi, pour moi. Le cerf. Moi j'ai le mec avec la grosse massue. C'est ça. Mais ça c'est une espèce d'ange. Moi j'ai pris le troll. C'est bon, okay, c'est fait. C'est bon pour moi. C'est l'arc qui c'est... toi. Il en manque un. Frère de il manque moi l'ange, putain, il est où cet ange de merde? C'est bon, c'est validé. On a gagné. Alors la suite, c'est le plus dur. Ça c'était facile tout ça. Puzzle jump chronométré. Ah mais là on a quitte la salle, secondes, c'est ça 20 secondes pour atteindre une plateforme avant qu'elle disparaisse. Et il faut qu'il y ait au moins 4 joueurs qui y arrivent. Ah je suis tombé. Il y a 4 piliers donc il faut que 4 joueurs y arrivent. Voilà. Ah raté. C'est bon, je suis sur un. Putain, les deux premiers, Rico et moi. C'est pas beau ça quand même, hein? Ah mais vous avez vraiment raté, vous êtes vraiment mauvais veux, quoi. Bah ça tu actives, ouais. Donc ça c'est qu'il fallait faire tout seul ensemble et j'étais en altab moi à ce moment-là. Ouais. C'est toujours la faute des autres. Toi t'aurais pas voté PS par hasard, hein? Ça t'a ouvert la porte le coup? C'est bon, ouais, c'est bon. Alors, maintenant, ici, on a fait... il a dit toi tu retournes sur Sotor et vite fait. Dernière partie, le labyrinthe. On a 10 minutes en théorie pour le faire. Trouver les 6 orbes. Mais ça, il faut absolument que tu fasses un le ton que tu ouvres le labyrinthe à côté de toi, le plan du labyrinthe. Et indique les escaliers que vous pourrez gravir pour voir les orbes cachés. Une fois que vous activez le bouton sur la plateforme, vous verrez apparaître les faisceaux lumineux d'un labyrinthe. Ces faisceaux sont générés par 6 orbes. Leurs emplacements sont modifiés à chaque tentative. Identifiez grossièrement l'emplacement de chaque orbe. Une fois dans le labyrinthe, vous pouvez monter les escaliers pour vous aider à vous localiser. Attention, c'est ouais. Parti. Allez, go. Ça va être activé ? Il faut redescendre ouais, maintenant. Bon. Il faut redescendre. La porte. Il faut redescendre ? Oh, putain. Ouais. Ah bah oui. Je pensais qu'on pouvait sauter d'ici, moi. Bon, je pars sur la gauche. Moi j'ai pas vu où étaient les orbes, c'est ça le problème. Il y en avait deux en face et deux à gauche. Ok, ouais, bah, je vais en face. Dans. Je suis Rico. Il y a scanné mob ou pas? Oui. Moi, laisse les bétons, là il y a les escaliers là. On prend les escaliers pour y voir. J'ai une console de pointe, je peux activer des pièges. Désactiver les pièges. Et par contre ça nous empêche de nous balader. Ok je vois l'orbe au fond là-bas, Rico tu la vois? Le point de lumière. Allez on va y aller à deux tranquillement. Hop. Ah ici j'ai escalier. J'avais pas vu. Ah un petit rat avec moi. T'as trouvé une orbe? Ah oui là-bas y'a une lumière. Il y en a deux. Et ici y'en a une là-bas. Ok, tu vas prendre laquelle Busta? La plus proche. Ah mais il y en a une qui est fermée là. Ah viens, avec... il nous casse les couilles, il nous suit, allez on va les déplacer. Quand c'est rouge le mur, ça veut dire quoi? Tu peux casser le mur, putain. D'accord. Tu t'en occupes de celui-là alors? Oui. Ah. Je suis sûr qu'on parle pas du même, donc... Effectivement, on parlait pas du même. T'as, où qu'on aille, c'est... Oh, alors là, ça va être compliqué. T'as pas de TP, j'ai pas un sort d'invisibilité, j'ai pas de truc comme ça. Oula c'est pas bon là, oula oula. C'est bon j'ai récupéré, et on la ramène où là l'orbe au fait? T'as réussi à passer ou pas? Allô okay. L'orbe. L'orbe, pardon. Un pylône. Une fois amenez-le à la sortie du labyrinthe dans le coin nord-ouest et déposez-le dans un des 6 réceptacles Azura. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je vais jamais arriver là-bas. Moi ça fait popper un champion. Je veux pas plus 7. Je sais même pas où c'est la sortie du truc. Voilà. T'as les côtés. Je me disais je sais pas te healer tout à l'heure. Ah c'est bon. Ah ok. Va à droite.
Remonte. Putain, on est où là par rapport à l'orbe? Elle est derrière toi. Elle est là, c'est plaque, là. Droite. Ça en est un ça? Non. Ça par contre, ce qui m'inquiète, c'est le sol. Ouais. C'est ici, hein, en tout cas, Rico. Vas-y, moi j'en ai vu une autre là. Putain, je marche. C'est bon, j'arrive à la fin. C'est bon, j'y suis. Je peux pas me huiler. Quand même. Yes, j'en ai ramené une. Je suis le premier, le seul. C'est vraiment mauvais, hein, tout ça. T'as besoin de guide parce que moi, du coup, j'ai accès à la carte. Hein. Ah, t'as la carte? Moi, je vous vois tous en petit coin bleu en train de gagapiller. J'ai l'impression que je vois okay, Batman sans avoir le contrôle des monstres. Quoi. C'est ouais, c'est... Je vais passer Zabu qui est par là. Tout en haut à droite, là. Merde, putain, je l'avais le truc. C'est bon, j'en ai une deuxième. Je ramène aussi. Attends, c'est remonté tout droit. Moi? Non, pas toi, non. Putain. On parle au vrai joueur, là. On parle au vrai joueur. Parce que je pensais dans la bonne direction, mais j'ai l'impression de tourner en rond, maintenant. C'est pas qu'une impression, en fait, malheureusement. Je pense que c'est le principe du labyrinthe, mais c'est quand même bien chiant. Putain, je suis revenu où j'étais avec Rico. Les gars, sérieux, je vais pas tous les faire. Vrai, faut revenir. Putain, les golems, pas... ça se régénère, c'est merde. Oh là là. Hey, y a Tom. Ouais, ouais, c'est un champion, Tom, fais gaffe. Tom, il est pas très content. C'est Tom ou gros Tom, en plus? Tom, d'ailleurs. C'est un bon Tom. Merde, putain. Il y a des fucking zones de pièges, là. Qui c'est qui a activé les pièges? On peut les désactiver normalement. Hein. Putain. Tabus, tu viens pas m'aider, je vais ramasser. Si tu me heal pas. C'est toi qui est mort là? Ouais. Oh la vache, il me fait mal Tom. Mais c'est un... Hey, hey. T'as vu ce que c'est? Ouais, c'est un champion, j'ai vu. Voilà. Ah, mais j'ai plus de... Oh la vache. Alors, ça va être un peu chaud. Oh, il vient me chercher, en plus il court, il se déplace à 2 heures depuis tout à l'heure, et juste pour moi il court. Je vais faire essayer à partir d'un point de contrôle. Je suis où là? Ah, il y en a un là. C'est bien ce que je pensais, fuck. Je sens que c'est ça qui va nous baiser. 4 minutes, on n'y arrivera pas. Vous avez mis 2 quand même des orbes. Hein. Putain, on a mis tout. J'ai la troisième là, ça y est. Sauf que je me frappe un vétéran. Allez. Mais les pièges, faut les désactiver. Hein. Sinon, là, c'est impossible à passer, hein, franchement. Attends, je vois, il y a les pièges à désactiver là-haut. Putain, est-ce que je prends cher là, en passant à travers les pièges? Ça les active pour combien de temps? Ah, peut-être... ah oui, il faut que je reste, tu vois, il faut que je reste. C'est ouais, que là, ils sont toujours activés. Hein. Non, ils sont désactivés, moi. Ah non, moi, ceux qui bouffent les pieds, là, ils sont toujours là. Putain, gros tome de merde. Ouais, c'est bon, je suis mort. Tu reprends au départ. Ouais, je sais pas d'où je reprends, mais... Du début du labyrinthe. Là. Je suis parti comme un voleur. Oh putain, il m'a poursuivi, c'est enculé. Gros temps de merde. Ah bah là, on va pas y arriver. Dommage, on était bien parti. Alors, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, bien parti, hein.
Putain, l'autre il me flingue, il me défonce la gueule le Tom. On a déjà été beaucoup plus ridicule que ça. La dernière partie, ça en plus ou pas du tout? C'est la dernière partie, c'est la fin. Elle est chaude, hein, à 4 c'est dur. Hein. Ah putain, c'est par là qu'il faut passer, d'accord. Alors, passer le... Comment tu fais pour devant moi, tu peux pas m'ouvrir hein. Attends, je regarde. Parce que depuis tout à l'heure, je suis bloqué comme un con là. Et t'arrives pas à te tuer? Non, à te tuer, t'y arriveras pas. Quoi. Non, il y a pas assez de hauteur. Vous voulez pas bloquer parce que... T'es le seul, Laurent, de l'autre côté encore ou Ouais, mais c'est bloqué en fait la porte. Mais comment t'as réussi à passer, Choco? Pas passé moi. Et la ah, porte t'es passé, est fermée sur ma gueule. La carte, ah, oui, d'accord. Ouais. C'est un peu nul ça d'ailleurs que tu puisses pas. Mais c'est débile que tu puisses pas rejoindre d'ailleurs. Non, je trouve ça avec un TP quoi, mais. Bah non, tu vas pas bouffer un TP pour t'es ça. Tu peux recommencer l'énigme pour passer, sauf que tout seul, ouais, bah, je fais qu'un exorciste quoi. Je peux faire les choses. Ouais, 3 scripts vétérans, je suis à l'orbe, on va fermer, on aurait pu rouvrir la porte je pense, tu vois. Mais... T'as l'orbe en haut à droite, Rico? Ouais, ouais. L'ordi intelligent, il a arrêté le meilleur à soi en premier. Ah bah, y'a Donatello qui est avec moi. Il vous reste une minute pour le faire. Et par contre, bah, Fred, faut qu'on aille chercher celui là-bas. Hein. Ah putain, oui, y'a des murs qui sont destructibles. De quoi? Y'a des murs qui sont destructibles. Oui, les rouges, les rouges. La destruction du laboratoire aura lieu dans 45 secondes. Ouais, on va attendre la fin ici, hein. Ah, oh, il aurait fallu tenter. Attendez qu'un testament de me léguer tes pièces d'or. Non mais là on peut pas, il en faut encore 3. Ouais, ce qu'il faut c'est les faire passer. J'étais heureux de vous avoir connu les gens, à plus, moi du coup je peux partir. Attends, même 2 mauvais, on va y arriver. Ou faut se laisser mourir et puis repasser de l'autre côté, enfin faut faire un truc. Adieu. Bah 2 mauvais, t'es quand même pas sympa, il est pas si mauvais que ça, Busta quoi. C'est pas parce que son héros c'est Barry que... Bim. Ça tombe bien, il est sur le mumble de Barry Allen. Non Barry, ah. Tu ne dois pas retourner dans le passé. Je crois que je vais retourner dans le passé quand même, juste pour être sûr. Ah vous êtes mort? Ah bah ça nous a kické. Ah putain. Bon, à vous échec de la mission. Bon, on se fait un vrai truc? Oui, oui, il faut canarder des gens. En tout cas c'est largement faisable j'ai l'impression, enfin je sais pas à quoi ressemble la dernière partie où vous étiez là. Bah on est 5, on va faire du fractal, vous voulez pas un peu? Bah... J'étais chaud. On est 6 bah, là. Mais non mais je me déco moi, allez-y, allez faire du fractal, je me déco. Pourquoi on est 6 ah. Parce qu'il y a... 6. C'est vrai on est 6. Ah. Je me déco, pas de soucis, vous avez plus 6 comme ça, hop. Je vais en profiter pour me reposer. Allez, TP le lion. Enfin TP la... TP fort marin. L'arche du lion, fort marin, allez go. Vous avez bu? Ouais. Ah. Je te prends 5 minutes à part. Tu me fais peur quand tu dis ça. Oh, ok, si tu veux.